Que Dieu vous bénisse. God bless you. Merci pour l'honneur. Thank you for the honor. Je veux dire merci à la prophétesse. I would like to thank the prophetess. Qui m'a bien reçu hier. Amen. Who welcomed me very well yesterday. Elle m'a emmené faire ma pédicure. Amen. She took me for a pedicure. Amen. Merci à la servante de Dieu, Rachel. Thank you to the servant of God, Rachel. Merci à tous les serviteurs. Thank you to all of the servants. Merci à Papa Abraham. Thank you to Papa Abraham. Mais je veux particulièrement dire merci au peuple de Dieu ce matin. But I want to particularly thank the people of God. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? May God bless you. Can you clap for the Lord? Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, j'étais en train de réfléchir sur ce que j'allais vous dire. This morning I was thinking about what I was going to tell you. Jusqu'à ce que la prophétesse parle et confirme. Until the prophetess speaks and confirms. Je voulais parler de I wanted to speak l'épée de l'esprit. Of the sword of the spirit. Je voulais parler aussi de la parole et de la gloire de Dieu. And I wanted to also speak on the word and the glory of God. Et comme ce matin elle a parlé de la gloire. And since this morning she spoke of the glory. Je crois que le Seigneur veut qu'on aille dans la gloire. And I think that the Lord wants us to take the road of the glory. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons parler de la parole et de la gloire de Dieu. So therefore, this morning, we're going to speak of the word and the glory of God. Mais je veux vous encourager. But I would like to edify you. Quand il s'agit du Père spirituel. When it comes to the spiritual Father. Vous devez comprendre le mystère des pères. You must understand the mystery of the fathers. Il y a des gens qu'on rencontre dans la vie. There are people that we meet in life. Qui nous conduisent au Seigneur. That lead us to the Lord. On les appelle les pères dans le Seigneur. We call them the Father in the Lord. Des pères en Christ. The Father in Christ. Ils ne sont pas nos pères spirituels. They are not our spiritual fathers. Ils nous présentent le Seigneur. They introduce us to the Lord. Et quand ils ont fini de nous présenter le Seigneur. And when they are done introducing us to the Lord. On rencontre maintenant le Père spirituel. We meet then the spiritual Father. Maintenant, là, il y a un danger. Here there is a danger. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui passent. Because there are men of God who pass by. Ils peuvent avoir un grand ministère. They can have a great ministry. Ils peuvent impacter votre vie. They can impact your life. Mais ils ne seront pas vos pères spirituels. But they shall not be your spiritual fathers. Je vous donne un exemple. I give you an example. Lorsque vous prenez Élie. When you take Eli. Et que vous prenez Élisée. Elijah. Non. Elijah. And Elijah Elisha. And Elisha. Lorsque vous prenez Élie. When you take Elijah. Et que vous prenez Élisée. And Elisha. Si vous comparez le nombre de miracles. If you compare the number of miracles. Vous allez aimer Élisée. You will like Elisha. Mais un bon prophète. But a great prophet. N'est pas forcément un bon père spirituel. Is not necessarily a good spiritual father. Parce que Élisée. Because Elisha. N'avait pas le don. Did not have the gift. Pour être un père. To be a father. Alors que Élie. When indeed Elisha. Avait le don had the gift pour être un père spirituel. To be a spiritual father. Voilà pourquoi this is why Élisée a maudit Géasi. Elisha cursed Géasi à cause d'une erreur. Because of a mistake. Donc il y a des hommes de Dieu que vous allez rencontrer. So there are men of God that you're going to meet. Vous allez aimer leur ministère. You're going to like their ministry. Mais Dieu ne les a pas établis comme père. But God did not put them as father. Ils n'ont pas le package. They did not have the package. Pour vous supporter. To help you. Et donc si vous forcez. So if you force that. Au bout du chemin ils vont vous maudire. At the end of the road they will curse you. Mais il y a une personne. But there is a person, qui one person. Pas avoir un grand ministère. That may not have a great ministry. Mais qui a reçu le don. But had received the gift. De te supporter. To help you. Alléluia. Amen. Donc c'est vrai que je suis. So it's true that I am. Votre grand-père. Your great grandfather. Mais Dieu a établi un your grandfather. Père spirituel. But God has established a et spiritual je veux que father. Vous honorez votre prophétesse. And I would like for you to honor your prophetess. Amen. Amen. Vous pouvez m'appeler. You can call me. Je serai busy. I will be busy. Mais si vous l'appelez. But if you call her. Elle sera là toujours pour vous. She will be available always for you. Voilà pourquoi. This is why. La malédiction. The curse. Que Jacob. That Jacob. A prononcé sur Ruben. Had declared on Reuben. A été changée par Moïse. Had been changed by Moses. C'est-à-dire le père spirituel. Meaning that the spiritual father. Peut changer la destinée can change personne. The destiny of a person. Il peut renverser. He can overthrow. Les malédictions. The curses. Qui ont été prononcées dans that la were declared in the person's life.
Voilà pourquoi il faut respecter les This pères. Is why you should respect the fathers. Que Dieu établit sur vos vies. That God has established on your life. Dieu ne se trompe pas. God does not make mistakes. Alléluia. Amen. Dieu God ne se trompe pas. Does not make mistakes. La prochaine fois quand je vais venir, the next time when I shall je vais return, parler des fils. I am going to speak of the sons. Parce que c'est pas tout le monde qui peut être un fils. Because it's not all that can be sons. Un fils, c'est pour la vie. A son is for life. Même quand il grandit, even when he grows old, il quitte la maison, he leaves the house, il demeure un fils. He still remains a son. Donc, il y a des enfants, so there are children qui ne vont pas vouloir rester avec toi, that may not want to stay with you. Ils n'ont jamais été des fils. There were never sons. Amen. Amen. On aura l'occasion d'en parler. We shall have the opportunity to speak about matin, them. But this morning, je veux qu'on rende la gloire à Dieu. I want us to give glory to God. Très fort, can we all Seigneur, clap Alleluia. For the Lord? Alleluia. Amen. Rapidement, quickly, j'ai pas besoin de Bible, mais pour vous, amen. I don't need a Bible, but for you, on va lire un verset, we're going to read a verse. Et nous allons rentrer dans la parole de Dieu. And let's go in the book of John. Jean 17. John 17. C'est Jésus qui parle. This is Jesus speaking. Amen. Amen. Je suis fier de l'avoir pour fille spirituelle. Amen. I am very glad to have her, proud to have her as a spiritual daughter. Donc vous avez déjà votre prophétesse, amen. So you already have your prophetess, amen. Donc elle prophétise déjà. So she can prophesy already. So moi je vais prêcher, amen. So I can preach. Et je vais libérer une parole de paix, amen. And I am going to declare a word of a father, amen. Lisons à partir du verset 4. C'est Jésus. Let's start at the verse 4. This si vous Jesus voulez, speaking. Lisons d'abord le verset 1er. Let's even start at the first verse. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils. Glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Verset 4. Verse 4. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. Amen. Verset 20, je crois. Verse 20, let's jump to verse 20. Non, lisons le verset 22. Let's go instead, verse 22. Il dit, je leur ai donné quoi? La gloire. Dis bien, je leur ai donné well, the glory. La gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Wow. Amen. Père, merci pour ta parole. Father, thank you for your word. Ce matin, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. This morning, we're in need of you, Spirit of God. Nous avons vraiment besoin de toi. We truly need you. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Because without you, we are nothing. Nous ne pouvons rien. We can do nothing. Saint-Esprit. Holy Spirit. Sanctifie ce vaisseau. Sanctify this scripture. Sanctifie ce canal. Sanctify this vessel. And use me for your glory. And use me for your glory. Bless your word. Bénis ta parole. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. You can be seated. Amen. Say with me the glory of God. Nous allons parler de la gloire de Dieu. We're going to speak on the glory of God. Vous savez, you know? Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Okay. On va prophétiser après. We're going to prophesy later. Le psaume 19, le verset 1. Est-ce que je peux enseigner? Psalm 19, verse 1. Dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Say that the heavens speak of the glory of God. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. And all of the heaven manifest the work of his hand. C'est que les cieux. Says that the heavens. Les cieux. Dis avec moi les cieux. Say with me the heavens. Manifeste la gloire de Dieu. Speak of the glory of God. Je vous pose une question. I ask you a question. En quoi les cieux manifestent la gloire de Dieu? In what does heaven manifest the glory of God?
Amen. Je veux enlever I want to take out la nuance que les gens ont. The shyness that the people have. La gloire de Dieu dans le Nouveau Testament. The glory of God in the New Testament. Et la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament. And the glory of God in the Old Testament. Sont deux choses différentes. Are two different things. Amen. Quand il dit que les cieux déclarent When he says the glory that of God, the heavens declare the glory of God. Alléluia. Amen. Ça veut dire Which means que la gloire de Dieu The glory of God est vue is seen lorsque la chose when the thing qui a été créée that was created fait ce pourquoi elle a été créée. Does that for which it was created. Can I go? Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Do you understand? Ça veut dire que on voit la gloire de Dieu dans le ciel. That means that we see the glory of God in heaven. Ou si vous voulez, les cieux représentent la gloire de Dieu. Or the heaven represent the glory of Parce God. Parce que le ciel fait ce pourquoi il a été créé. Because the heaven does that for which they were created. Amen. Amen. Ça veut dire Meaning, à chaque fois que quelque chose est créé, every time that something is created, et que cette chose manifeste and la that raison thing de sa création, manifests the reason of his creation, la gloire de Dieu the glory est of God is seen. Donc, la gloire de Dieu, so the glory of God ce n'est pas une belle voiture. Is not a beautiful car. La gloire de Dieu, the glory of God, ce n'est pas l'argent qu'un homme it's peut posséder. Not the money that a man can have. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à des enfants Am de I Dieu? Am I speaking to children of God this Alléluia. Morning? Amen. Donc, si so, la gloire de Dieu, if the glory of God, c'est de manifester la raison de notre création, is to manifest the purpose of our creation. Demande à ton voisin. Ask your neighbor. Est-ce qu'on voit la gloire de Dieu dans ta vie? Is the glory of God seen in your life? Est-ce que tu manifestes Do you manifest ce pourquoi tu as été créé? That for which you were created. Hello. Amen. Est-ce que je peux vous aider? Allons dans Ephésiens 6. On va revenir. Let's go to Ephesians 6. Ephésiens 6 à partir du verset 11. Ephesians 6 starting verse 11. Selman, tu as besoin d'aller vite parce que je vais vite. Selman, please go quickly because I move quickly. Alléluia. Amen. Il dit revêtez de toutes les armures les armes de Dieu afin de pouvoir faire quoi? He said put on the whole armor of God in order to do what? Afin de faire quoi? Tenir ferme. That you may stand firm. Mais le verset 13. Let's go to verse 13. Il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de faire quoi? Therefore take on the whole armor of God so you can do what? To withstand. Et de tenir ferme encore. D'accord? Mais le verset 17. Let's go to verse 17. Ah, ok. Arrêtons-nous là. Let's stop right here. Quand vous lisez ce texte. When you read the scripture. Ah, God. Est-ce que j'ai le temps? Do I have time this morning? I want to teach you something good Amen. This morning. Amen. Okay? Il dit. He says. De prendre l'armure de Dieu. He says to take the armor of God. Afin de pouvoir tenir. In order for you to stand. Vous savez, dans le Nouveau Testament, in the New Testament, le combat spirituel aussi a changé. The spiritual warfare has changed. De même que dans l'Ancien Testament, as same as the Old Testament, la gloire de Dieu, the glory of God, n'est pas ce qu'elle est dans le Nouveau Testament. Is not that which it is in the New Testament. De même, to the same point, le combat spirituel, the spiritual warfare, dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, n'est pas le même dans le Nouveau. It's not the same in the New Testament. Quand vous êtes un jeune chrétien, when you're a young Christian, vous dealez avec les démons. You're dealing with demons. C'est le premier level du combat it is the first level of the spiritual il faut warfare. Chasser les démons. Where you shall cast out il faut demons. Briser les démons. You shall break down il faut demons. Les puriger. You shall cast il faut, them out. Il faut les, écraser. You shall crush them. Et c'est ça qu'on appelle le combat spirituel. And that is called the spiritual warfare. Mais quand vous grandissez avec Dieu, but when you grow old with God, le combat spirituel ne the spiritual warfare is no longer to cast out. Mais c'est de juste de tenir ferme. But it is to withstand. Amen. Amen. Si vous lisez la Bible, if you read the Bible, à quel moment Jésus a répondu au diable? At which point Jesus had answered to the devil? Tu vas prêcher à ton tour, attends. You will preach in your time. Wait. No, now is my time. Let me preach. Amen. Okay. So,
À quel moment, at which time, Jésus a attaqué le diable? Did Jesus attack the devil? When you read your Bible, hallelujah. Est-ce qu'il y a eu un temps où Jésus a attaqué le diable? Has there been a time where Jesus attacked the devil? No. No. Jamais. Never. Tout ce que Jésus a fait, all that Jesus did, c'est de répondre, it is to answer, de résister, and to resist, et de partir, and to leave. Lorsqu'on n'avait pas, on voulait pas de lui dans une ville, when he was not wanted in a city, il quittait la ville calmement. He calmly left the city. Alléluia. Amen. Donc vous devez comprendre, so you must understand, que vous êtes entré dans une dimension, that you've entered a dimension, où a le level combat where the spiritual ne battle sera pas vu, will not be seen, parce que vous priez trop, because you pray too much, ou vous chassez les démons too much, or you're casting out demons too much. Mais votre habilité à rester ferme. But your capacity is to stand, is to withhold and stand firm. C'est dans votre capacité, it is within your ability, à rester, to stay, après tout ce que le diable fait, after everything that the devil has done, qui démontre la victoire dans le combat spirituel, that shows the victory in a spiritual warfare. Oh, vous allez m'entendre ce matin. Oh, you're going to hear me this morning. Quand on parle de la gloire de Dieu, we speak of the glory of God, dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, on voyait, we were seeing, la fumée, the flame, le the feu, smoke, the fire. Alléluia. Au point où Moïse dit à Dieu, to the point where one day Moses says to God, il dit, montre-moi ta gloire. He says, show me your glory. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quelque part, meaning that somewhere, la gloire de Dieu, the glory of God is to be seen. Is visible. It's visible. La gloire de Dieu est quelque chose qu'on peut voir. The glory of God is something that we can sinon, see. Il n'allait jamais dire otherwise, à Dieu, he would never say to God, show me your glory. Amen. Et je suis convaincu, and I am convinced, que beaucoup parmi nous, that many among us, lorsqu'on prie, when we pray, on dit à Dieu, we say to God, je veux voir ta gloire. I want to see your glory. Je veux voir ta I gloire. Want to see your glory. Je veux voir ta gloire. I want to see your glory. Mais but, j'ai dans le Nouveau Testament. But you are in the New Testament. Si c'était dans l'Ancien, if it was in the Old, il y allait avoir un grand bruit. There was going to be a great noise. Mais dans le Nouveau Testament, but in the New Testament, il n'y a pas de there is that there is no noise. Il y a un mystère. There is a mystery. Est-ce que je suis en train de vous emmener quelque part? Am I taking you somewhere? Amen. 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 Voilà pourquoi Jésus dit, this is why Jesus says, dans le texte que nous avons lu, in the scripture that we read, il dit, he says, at the verse 5, maintenant, now, glorifie-moi, glorify me, auprès de toi, by you, de la gloire que j'avais, of the glory that I had. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire, meaning, avant de venir sur la terre, before coming on earth, Jésus a enlevé sa gloire. Jesus took off his glory. Hello. Amen. Donc, tout ce que vous avez vu de Jésus, so everything that you've seen of Jesus, n'avait rien à voir avec sa gloire, had nothing to do with his glory. Il a mis sa gloire de côté. He put aside his glory. Et ce qui est intéressant, and what is interesting, il a mis sa gloire de côté, he put his glory aside, et il demande à Dieu, and asked God, glorifie-moi. Glorify me. Mais non, rappelez-vous bien, now remember, quand Jésus dit ça, when Jesus says that, il est sur le point d'être crucifié. He is about to be crucified. Ça veut dire, meaning, le chemin, the way, que Jésus devait prendre, that Jesus was to take, pour récupérer la gloire qu'il avait auprès du Père, to take back the glory that he had by the Father, était rattaché avec le chemin was de la tied croix. Down to the way of the cross. Donc, dans le Nouveau Testament, so in the New Testament, la gloire, the glory, n'a rien à voir has avec nothing des choses to do extérieures, with the things that are on the la outside. Gloire, but the glory à voir avec les choses intérieures, has something to do with the things that are interior, that are inside. Je suis en train de prendre votre poule. I am
Because I want to go. I'm testing your waters. I want to go, but I don't know if you guys can handle it. I want to take off, but I don't know if you can handle. Because this is not even the message. Let's go. You sure? Yes. You sure? Yes. Can you clap for Jesus? Amen. Hallelujah. Amen. So, il a mis sa gloire de côté. So he put aside his glory. Pour qu'il reprenne sa gloire, il doit passer par In order for him to take back his glory, he must go on a way. Ça veut dire, meaning, tous ceux qui veulent voir la gloire de Dieu, every single person who wants to see the glory of God, doivent passer par un chemin. Must go through a specific way. Tous ceux qui veulent voir la gloire de Dieu, all those who want to see the glory of God, doivent passer par un chemin. Must go through a On road, est d'accord? A way. Donc, en même temps qu'il est sur le point de partir, at the same time where he's about to go, il dit au verset 22, he says at verse 22, que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. That I gave them the glory that you gave me. This is too deep, man. Amen. Listen to me. Il est venu, il a laissé sa gloire là-bas. He came but left his glory behind. Hello. Amen. Il veut aller reprendre cette gloire. But he wants to go take back that glory. Mais en attendant, but awaiting that, la petite gloire qu'il avait sur the terre, small glory that he had on earth, il veut te donner. He wants to give it to you. Il te l'a donné. And gave it to you. Maintenant, comment il a donné la gloire? But how did he give that glory? Parce que si je demande à quelqu'un, est-ce que tu as vu la gloire de Dieu? Because if I were to ask someone, did you see the glory of God? Il va dire la manière dont j'ai pas d'argent dans ma poche. He's going to say the way that I don't have money in my pocket. I don't think I see the glory yet. I don't think I've seen the glory of God yet. I'm still looking for the glory. Amen. Because I don't have the car that I want. Alleluia. So ça devient compliqué. So it's a little bit complicated. Est-ce que vous me comprenez? Do you understand me? Mais il dit, but he says, la gloire que tu m'as laissé sur la terre, the glory that you left me on earth, qui n'est pas ma vraie gloire, that is not my true glory, je leur ai laissé ça. I gave it to them. Mais imaginez, now imagine, la petite gloire qu'il avait, the small glory that he had, les grandes choses qu'il a fait, the great things that he did oh with God. It. Oh God. Hallelujah. I don't have time to go there. Let's stay here. Amen. 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 Maintenant, now, comment, how, il donne, does he give the glory? Pour voir ça, il faut étudier Lazare. To see that, you must study Lazarus. Hello. Amen. Est-ce qu'on peut rentrer dans le message? Can we go into the message? Lorsque vous lisez l'histoire de Lazare, when you read the story of Lazarus, il dit quelque chose. He says something. Dans Jean 17, le verset 22. In John 17, 22. Il va partir. That he would go. Il ne pourra plus porter cette gloire. He should no longer be able to carry that Mais glory. Il a choisi des gens pour porter la gloire. But he chose people to put on that glory. Listen to me. Il y avait deux genres de gloire. Hein? There were two different types of glory. Il y avait une gloire qu'il avait auprès du Père. There was that glory that he had when he was with the Father. C'est pas de ça que je parle. That's not what I'm speaking of. Je parle de la gloire qu'il avait I'm speaking of the glory that he had when he was on earth C'est here. Ce qu'il nous a laissé. That's what he left Parce que la gloire for us. Qu'il avait auprès du Père, because aucun homme ne peut porter the glory that he had with the Father, no man can carry that. Écoutez-moi très bien. Listen to me. So, ne t'imagine même pas que tu peux même so don't even picture yourself tu peux même voir cette gloire là. That non, you non, can non. be able to see that glory, no. Parce que c'est cette gloire là because qui it a is that glory chose. That created everything. Même Moïse n'a pas pu voir la gloire. Even Moses was not able to see that glory. Dieu l'a caché dans le rocher. God hid it in the rock. Anyway, donc il now, dit à Lazare, he tells Lazarus, tu vas porter cette gloire. You would carry that glory. Voilà pourquoi au verset 22 du chapitre de Jean 17. This is why at the chapter 17 of John, verse 22, he says, petit, c'est ça? Mm. Ok, non, Jean 17, c'est ça? Yes. Ok, Jean 17, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. I gave them the glory which was given to them. Afin qu'ils deviennent un. So that they may become one. Maintenant, mets le verset 4 rapidement. Now, put the verse 4. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. He says, I have glorified you on earth. J'ai achevé le I have finished the work that you've given me. Je vous ai dit au début, I told you in the beginning que la gloire de Dieu that the glory of God dwells dans le fait que la chose in the fact that the thing réalise ce pourquoi elle a été
créé. The thing manifest is the fact of which it was created. Vous me comprenez un peu? Do you understand me? Si la voiture, if the car conduit, drives, la voiture, the car est en train de réaliser ce pourquoi elle is realizing créée. That for which it was Maintenant, made. Il dit, now he says, moi je t'ai Me, I have glorified Quand you j'ai fait ce pour quoi when tu m'as I did that which for which I was called. Donc, au lieu que tu so, cherches la gloire, instead of you looking for the glory de quelque chose de majestueux, of something that is great, tu dois comprendre, you must understand dans le Nouveau Testament, that in the New Testament, la gloire de Dieu, the glory of God, c'est de faire ce it is to Dieu do that for which you were called. Lorsque when Dieu me dit, God tells me, va chez les homeless, go to the homeless, feed them, and feed them, and I'm doing it, and I'm doing it. Je suis en train de glorifier. I am glorifying God. Oh God. Mm. Alors que rather, l'église, the church, voit la gloire, sees the glory, dans la beauté, in the beauty. Dieu God voit la gloire sees the glory dans l'obéissance. In obedience. Hallelujah. Je veux vous aider. I am going to help you. Maintenant, il dit, je t'ai glorifié. He says, I have glorified j'ai you. Achevé. I have done. Et parce que j'ai fini, and because I have finished, quelqu'un doit continuer. Someone else must continue Maintenant, on. Prenons l'exemple. Now, let's take the example. Il a parlé de ses apôtres ici. He spoke of his apostles Mais pour here. Que vous compreniez, but in order for you to understand, prenons l'exemple de Lazare. Let's take the example Lorsque of Lazarus. When on vient dire à Dieu, à when Jésus, Jesus is told que ton ami Lazare est malade. That your friend Lazarus is sick. Qu'est-ce que Jésus dit? What does Jesus say? Hello. Hi. Qu'est-ce qu'il dit? What does he say? Jean 11. John 11. Oui, oui, oui. Il dit, he says, c'est pas, la maladie, that the sickness n'est pas pour la mort. Is not for the death. Hello. Aye. Mais, but elle est pour quoi? She is for the glory of God. Si vous n'avez pas trouvé mon verset, ne mettez pas ça. Mais ça mettez. If you have not found my verse, do not put this. Please, this is not it. Mm-mm. Amen. Amen. Voilà, merci. Il dit, he says, Jésus, Jesus, ton ami est malade. Your friend is sick. Il dit oui. He says yes. Je suis sur le point de partir. I'm about to go. Donc il y a des gens que j'ai choisi. But there are people that I chose. Qui doivent transporter ma gloire. That must carry my glory. Donc cette maladie. So this disease n'est pas à la mort. That is not for death. Mais elle est à la gloire. But it is for the glory. Oh God. Mm. De Dieu. Of God. Donc ça veut dire meaning, la gloire d'une chose. The glory of a thing. C'est de réaliser ce pourquoi la chose a été créée. Is to do the purpose for which the thing oh, was created. Yes. Est-ce que je parle à l'église? Am I speaking to the church? Vous allez faire j'ai pu revenir à Austin. You're going to make me not come back to Austin. Amen. Amen. Il dit, he says, cette maladie, this disease, c'est pas pour la mort, it's not for death, mais c'est pour la gloire de Dieu. But it is for the glory of God. Est-ce que vous comprenez le Do mystère? You understand the mystery? Ça veut dire que la gloire de it Dieu, means that the glory of God, elle est vue, is seen, quand la chose manifeste ce pourquoi when elle est venue. The thing is manifesting the purpose for which it was Donc, created. Si Dieu veut glorifier so if son God nom, wants to glorify il his peut name, utiliser la maladie. He can use the sickness. Oh. Il Hallelujah. Peut utiliser les problèmes. He can use the problems. Dieu God choisit tout chooses everything pour glorifier son to nom. Glorify his name. Ça glorifie son nom. It glorifies his name. Parce que la fin, because the end, c'est pas pour te tuer. It's not to kill you. Oh God. Hallelujah. Donc, so, pendant que toi tu es en train de pleurer, when you are crying, par rapport à une situation bien précise, regarding a situation that is very precise, Dieu y rit. God, he's laughing. Pourquoi? Why? Parce que cette situation, because that situation n'est pas à la mort, is not to kill mais you, elle est pour glorifier le nom de Dieu. But it is to glorify the name of God. Ça veut dire si même je meaning dois passer par le divorce, even if I have to go through a divorce. Si ça doit glorifier Dieu, if it needs to glorify God, le divorce change, the divorce will change d'ampleur dans ma vie.
the things in my life. Je veux vous donner quelque chose. I want to give you something. Lorsque vous comprenez, when you understand, rien ne peut vous abattre. Nothing can overthrow you. Rien ne peut can put you down. Nothing can put you down. Because you understand. Because you understand. Comment Dieu opère. How God works. Oh, I want to be deep this morning. Amen. Amen. Donc, il dit, so he says, cette maladie, this disease. Je veux que tu dises à quelqu'un, I want you to tell somebody, cette situation, this situation. You got to speak. You must speak. Like you mean it. Like you mean it. I don't know what you are going through. I don't know what you're going through right now. But you have to speak. But you must declare. And I'll tell you why. And I'll tell you why. This situation n'est pas is not à la mort, to kill you. Mais elle est à la gloire de Dieu. But it is to the glory of God. Tu ne m'as pas convaincu quand tu you parlais. Did not convince me when you were speaking. Ça veut dire, meaning, chaque chose qui arrive, everything that happens a an assignment. Has an assignment. Everything, Rachel. Everything. Que ce soit bon, whether it's que ce good soit mauvais, or bad, ça a un assignment. It has an assignment. Père, Father, can I go deeper? Can I go deeper? Listen to me. Mm. Quand on lit l'histoire de Daniel, when we read the story of Daniel, on parle de Daniel et ses trois compagnons. We speak of Daniel and his three friends. Mais ce qu'on ne vous dit pas, but what is not said to you, c'est qu'ils ont été castrés. That it is that the fact that they were castrated. Ils ne pourront plus jamais avoir d'enfants. They will no longer be able to have children. Donc, s'il y a quelqu'un, so if there is somebody, qui doit se plaindre de Dieu, that must complain of God, c'est eux. Those someone are them. Parce que ils étaient des princes. Because they were princes. Ils vivaient bien. They were living well. Mais parce que Dieu veut enseigner un roi. But because God wanted to teach a king, qu'il est Dieu, that he is God indeed. Dieu utilise ces jeunes hommes. God uses those young men. Frères, brothers, vous devez comprendre que you must understand avec un Dieu that we live with a God qui décide de faire de ta vie that ce qu'il veut. Who decides to do of your life what he will. Tu n'as pas le choix. You have no choice. Lorsqu'ils sont arrivés devant Nebuchadnezzar, when they came before Nebuchadnezzar, écoutez-moi bien, listen, j'ai perdu ma nation. I lost my nation. J'ai perdu ma position. I lost my position. J'ai perdu mon prestige. I lost my prestige. Et ce qui faisait de moi un homme. The thing that was making me a man. You removed it. You took it away. So, I can decide. I can decide now. Not to follow God anymore. Not to follow God. Because I trusted him. Parce que je lui ai fait confiance. I put my life in his hands. J'ai mis ma vie entre ses mains. So how come I find myself in this situation? Donc comment est-ce que je me trouve dans cette situation? So if it was you and I, donc, we'll say, si c'était toi et moi, on allait dire, I serve you, God. Je t'ai servi, Dieu. And this is the way you pay me et c'est comme ça que tu me repays. Thank you very much. Merci beaucoup. So, all he asked me, donc tout ce qu'il m'a demandé is just to bow down. C'est de me prosterner. In front of the statue, right? Devant la statue, n'est-ce pas? They're not gonna kill me if ils I ne do. Vont pas me tuer si anyway, je le I'm fais. Already dead. De toute façon, je suis déjà mort. I have nothing else to lose. Je n'ai rien d'autre à perdre. But when you know the word of God, mais quand tu connais la parole de Dieu, j'imagine. I picture. In this situation. In that situation. Où la foi est venue? Where did faith come from? Because you took everything from me. Because you took it all from me. But they say, mais ils ont dit, nous n'allons pas t'adorer. We will not worship you. Parce que nous savons que Dieu va faire. Because we know that God will do. Ça c'est un level, hein? This is one level. The second level. The second level. Nous n'allons pas t'adorer. We will not worship you. Parce que même s'il fait pas, even if he doesn't do it, that's another level. That is again another level. Oh, we'll talk about it another day. Amen. So no matter what's going on, donc quel que soit ce qui va arriver, we're just gonna follow God. Nous allons seulement suivre Dieu. Frère, brother,
When God chooses you to carry his glory, quand Dieu te choisit pour porter sa gloire, you have a problem. Tu as un problème. Because ta vie, because your life does not belong to you, does anymore. Not belong to you anymore. So when you pray and say, God, donc quand tu pries et tu dis Dieu, use me for your glory. Utilise-moi pour ta gloire. You need to think twice. Tu dois penser, réfléchir deux fois. Because the glory of God, parce que la gloire de is Dieu, not in things, n'est pas dans les choses. Is in a person. C'est dans une personne. You understand? Amen. So, revenons à Lazare. Let's come back to Lazarus. So, il dit à Lazare. So he says to Lazarus, je ne viens pas. I am not coming. Amen. Amen. Je ne viens pas. I am not coming. Donc, Jésus sait. Jesus knows que même s'il va dans la tombe, that even if he goes to the tomb, my God, la tombe, the tomb, ne peut pas empêcher la gloire de Dieu. Cannot keep the glory of God out. Je veux pousser, mais je veux qu'on comprenne quelque chose. I want to move forward, but I want us to understand il something. Sait qu'il va mourir. He knows that he will die. Il sait qu'il sera enterré. He knows that he will be buried. Mais il sait au-delà de tout ça. But he knows that above all of that, cette maladie, that this sickness doit emmener la gloire, must bring the glory. Donc, même s'il meurt, so even if he dies, on verra pas la gloire de Dieu comme ça. We will not see the glory of God like this. Bon, je vais aller simplement. I am going to go so si slowly Jésus now. Venait quand il était malade, if Jesus was to go when he was still sick, on n'allait pas voir la gloire de Dieu. We would not be able to see the glory of God. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce que cette maladie, because that sickness avait un but, had a goal. So, souvent, so sometimes, devant des situations, before a situation, on veut que Dieu vienne we maintenant. Want God to come now. Il ne viendra pas. He will not come. Même si on prie, even if we pray, même si tu jeûnes, even if you fast, il ne viendra he will not pas. Come. Pourquoi? Why? Parce que because après cela, after that, on doit voir la gloire. We must see the glory of God. Tant que la situation, for as long as the situation est toujours manipulable par un homme, it's still able to be manipulated by a man. Dieu n'intervient. God will not intervene. Parce que la gloire de because Dieu the glory of God n'a rien à voir has avec la main d'un homme. Nothing to do with the hand of a man. Tout ce que tu vis, so everything that you're living si right now, peut if a man can intervene, Dieu ne viendra God will jamais. Not come ever. Et c'est là qu'est notre problème. It is there our problem. Parce que nous marchons avec because un Dieu que nous ne connaissons pas. Because we walk with a God that we do not know. So on prie. So we pray. On demande. And we ask. Il vient pas. He does not come. Parce qu'on comprend pas. Why? Because we don't understand. Il intervient là où he intervenes where no man can intervene. Alléluia. Amen. Donc, so, c'est important. It is important d'établir les choses. To establish things. La gloire de Dieu, the glory of God, c'est plus dans les choses. It is not in things. C'est dans les hommes. It is in men. Maintenant, rapidement. Now, quickly. Je vais gagner du temps. Alléluia. I am going to gain some time. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, the glory of God, et la parole de Dieu, and the word of God. Il dit dans Jean 1, he says in John 1, le verset 14, verse 14, il dit, la parole a été faite chair. He says, the word was made flesh. Elle a habité parmi nous, and lived among us, pleine de grâce et de vérité, full of grace and truth. Et nous avons contemplé, and we have contemplated sa gloire, his glory. Une gloire, a glory du Fils unique venu de Dieu. Of the only begotten of the Father. My God. Hallelujah. My God. Amen. This is so deep. C'est si profond. Ça veut dire que la it means that the glory est vue is seen lorsque la parole when the word devient chair. Becomes flesh. Oh God. Hallelujah. Vous me comprenez un peu. Do you understand me? Si Dieu t'a donné une parole, if God gave you a word aussi longtemps, for as long qu'elle n'est pas manifestée, that the word is not manifested, on ne voit pas encore la gloire. We don't see the glory. Mais non, faut pas t'inquiéter. Now do not worry. Parce que la gloire, because the glory doit atteindre son but, must get to its purpose. Bon, si t'a donné une parole, so if he gave you a et word n'est pas encore manifestée, and the word is not manifested, réjouis-toi. Rejoice. Oh
God. Hmm. Parce que la gloire de Dieu, because the glory of God se verra seulement will only be seen lorsque cette parole when that word devient chair. Becomes flesh. Et comme Dieu, and as God est dans le business de glorifier is son in nom, the business to glorify his name, il veille sur toutes les paroles qui sortent. He makes sure on all of the words that come out. Il veille. He watches over them. Parce que son nom, because his word, his name doit être glorifié, must be glorified. Donc, je veux dire à quelqu'un, so I want to tell somebody, est-ce que tu as reçu une parole de Dieu? Have you received a word coming from God? Réjouis-toi. Rejoice. Non, je vois Alleluia. Pas les gens qui sont en train de se réjouir. I don't see people Réjouis-toi. Rejoicing. Réjouis-toi. Rejoice. Il me reste combien de temps rapidement? How much time do I have? Non, dites-moi combien de temps. Je vais tell me, I want to respect your time. Parce qu'on me dit ici, on respecte le temps, on ne fait pas comme à Dallas. Because I'm told that here we respect time. We don't do it like Dallas. Amen. À Dallas, c'est maintenant que je viens de commencer mon message. In Dallas, I'm now starting my preaching. Amen. 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 Mais non. Now. Je suis sûr que Lazare ne savait pas. I'm sure that Lazarus did not know. Que il était celui-là qui devait porter la gloire. That he was the one to carry the glory. Lisez bien vos Bibles. Read your Bible very well. À chaque fois qu'on parlait de Lazare, every time that Lazarus was spoken of, on mentionnait ses sœurs. They mentioned his sisters. Ça veut dire que sa vie, meaning that his life était rattaché à ses sœurs, was tied down to his sisters. On dit Lazare, it says Lazarus, frère de Martha et de Marie, the brother of Martha and Mary. Mais lorsqu'il est mort, but when he died, et qu'il est ressuscité, and that he was resurrected, l'histoire a changé. The story changed. Jean 12, John 12, le verset 9, verse 9. Jean 12. John 12. Le verset 9. Verse 9. On dit quoi? What does it say? On dit une grande foule. Now a great many. Fully. Now a great many of the Jews knew that he was there. And they came, not for Jesus' sake only, but that they might also see Lazarus, whom he had raised from the dead. Alleluia. Amen. Ils n'ont pas compris la parole. They did not understand the word of God. Now, a great many of the Jews knew that he was there, and they came, not for Jesus' sake only, but that they might also see Lazarus, whom he had raised from the dead. Écoutez-moi bien. Listen to me. Les gens sont venus à l'église. People came to church. Non pas pour écouter la prophétesse prêcher. Not to hear the prophetess preach. La Bible dit, but the Bible says, ils sont pas venus pour voir Jésus. They did not come to see Jesus. Ils sont venus voir qui? Who did they come see? Oh God. Ils sont venus voir qui? They came to see Lazarus. Lazarus. Ça veut dire, meaning, ils ont quitté leur maison. They left their homes. Pas pour écouter un message. Not to hear a message. Mais pour voir un message. But to see a message. Hallelujah. Je sais pas si vous comprenez un peu. I don't know if you're understanding this. La Bible dit, the Bible says, nous sommes des épîtres écrites, that we are chapters that are written, que Dieu est en train d'écrire, that God is writing, afin que, in order, oh God, on puisse lire, that they can read, ils ont lu l'évangile de Jean, they saw the gospel of John. Maintenant, on doit lire. Now we must read. On doit lire. Hallelujah, we must dit, read. On doit lire. I said we must read. On doit lire. We must read. L'évangile. The gospel. De qui? Of who? De Josiane. Of Josiane. Voilà pourquoi la this Bible is why livre the de Bible Jean, says in the book of John. Jésus a écrit beaucoup de livres. Jesus wrote many books. Mais on ne peut pas les imprimer. But we cannot print them. Pourquoi? Why? Parce qu'il continue d'écrire. Because he's still writing them. Il continue d'écrire. He's still writing them. Nous sommes ceux qui doivent porter la gloire. We are those who should carry the maintenant, glory of la God. Gloire de Dieu, now the glory of elle God sera pas vue will not be seen parce qu'on a garé de grosses voitures because dehors. We parked
great cars outside. No. The glory of God is seen lorsque je m'assois dans when I am sitting in et the puis church je vois une soeur, and I see a sister on me dit, and I'm told elle est passée par un divorce. That she went through a divorce. Mais regarde comme elle glorifie but Dieu, look at God. The way she's glorifying God. Quand on me dit, when I'm told elle avait le cancer, she had a cancer. Elle était sur le point de she mourir. Was about to die. Mais regarde là aujourd'hui. But look at her today. La gloire de Dieu, the glory of God, ce n'est pas ton business. It is not your business. C'est Dieu it is God qui veut être vu that wants to be au sure travers ce que tu vis. What you're living. Si on ne voit pas Dieu, if we don't see God, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. We cannot see the glory oh of God. God. J'ai envie de parler. I want to speak. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tell your neighbor. Tu veux voir la gloire de Dieu? Do you want to see the glory of God? Regarde-moi. Look at me. Oh, hallelujah. Tu veux voir la gloire de Dieu? Do you want to see the glory of God? Regarde-moi. Look at me. Ils ne croient même pas qu'ils sont porteurs de la gloire. They don't even believe that they're carriers of the glory. C'est la vie a été tellement dure. Life was so difficult. Et c'est là and it is then que on doit comprendre quand Jésus parle. We must understand when Jesus speaks. Il dit dans Matthieu 7, he says in Matthew 7, deux personnes ont construit leur maison, hein? Two people have built their homes. Écoutez-moi bien. Listen to me. Les deux maisons, those two houses à l'extérieur peuvent avoir le même aspect. On the outside can look alike. Et si tu ne fais pas attention, and if you're not careful, tu vas dire, mais, you're going to say, ha. Le païen, that unbeliever, il construit la même chose que moi. Built the same thing as me. À quoi ça sert d'aller à l'église? What is it worth going to church? À quoi ça sert de marcher avec Dieu? What is it worth to walk with God? Mais la vérité, c'est quoi? But the truth is this. C'est pas l'extérieur de la maison. It is not the outside of the house. C'est après la tempête. It is after the storm. Oh God. Hallelujah. C'est après la tempête. It is after the storm. On a souvent tendance à se comparer au monde. Oftentimes we compare ourselves lorsqu'on to the world. Voit la beauté des when choses we que see le monde the beauty donne, of the things that the world on a envie gives, de dire, ah, pourquoi we have pas the nous? Envy to say, why mais not? Vous dire quelque chose. But let me tell you something. Le vent va souffler. The wind will blow. Le vent va souffler. The wind will blow. Et aussi longtemps que vous êtes and for en as vie, long as you are alive, il y aura toujours des situations there qui vont will venir. Always have mais situations la différence come, but the difference va se situer où? Relies where? Sur ce sur quoi vous avez bâti votre on maison. That which you have built your house. Lorsque je vois des gens prospérer when autour I see de moi, people prospering around je n'ai pas à les envier. I do not have to parce envy que je sais because I know que je suis en train de bâtir sur quelque that chose I am de plus building on something. Alléluia. Amen. Donc je suis venu ce matin vous when I came this morning to tell you la gloire de Dieu that the glory of God is seen dans les témoignages que in Dieu the vous testimonies donne. That God gives you. Et Dieu, and God prend plaisir takes pleasure à vous fait passer par des chemins by making you go through ways pas parce qu'il est méchant, not because he's wicked mais parce qu'il est en train de bâtir votre but fondation, because he's building your foundation sur laquelle on which votre maison va sortir. Your house will come out. Je pouvais prêcher, I could have preached bénir. That God would bless you. Mais je veux vous donner quelque chose but pour I want to give you something to help you. Lorsque when Dieu est en train de construire votre fondation, God is building your foundation, ce n'est pas beau. It is not beautiful. Ce n'est pas beau. It's not beautiful. Vous savez, you know, I have a lot to say, but I have a lot I'm to trying say. To. But I'm trying to. To go slowly. To go slow. Ah, God, Dieu. God. Dis avec moi, Dieu. Say with me, God. Maintenant. Now. On ne va plus venir à l'église pour voir la prophétesse. We will no longer come to church to see the prophetess. Mais on vient à l'église pour voir quelqu'un que Dieu. But we come to church to see someone that God. A visité. Had visited. C'est le but de Dieu. It is the goal donc of God. Dit, je leur ai laissé ma gloire. He says, I have left them my glory. J'ai mis quelque chose sur eux. Meaning, I have put something on them. Qui va provoquer l'étonnement. That will provoke the astonishment.
Voilà pourquoi. This is why. Dans le Jean 12. In John 12. Au verset 10 et 11, il est dit rapidement. In verse 10 and 12 and 11, dit, it says. Les sacrificateurs. That the high priest. Décidait de le faire mourir. Decided to kill him. Il parle de Jésus. They're speaking of Jesus. Mais de faire aussi mourir Lazare. But to also make Lazarus dead. Pourquoi? Why? Parce que beaucoup de Juifs. Because many Jews. Beaucoup de Juifs. Many of the Jews. Se convertissaient. Went away and believed in Jesus. Ça veut dire la mort de Lazare. Meaning that the death of Lazarus. Avait plus d'impact. Had much more impact. Que, Hallelujah. Oh, je sais pas. Bon, je vais parler à des gens qui peuvent me comprendre. So I'm going to speak to people who can understand. La mort de Lazare. The death of Lazarus avait eu plus d'impact. Had much more impact. Que le message que Jésus même avait. Than the message that Jesus had preached. Parce que ceux qui se retiraient. Because those that were withdrawing. Ce n'était pas autre chose que les Juifs. It wasn't anybody else but the Jews. Ça veut dire ceux qui étaient. Meaning that des those. Des pratiquants. Those who were practicing. Et qui marchaient avec les sacrificateurs. And we're walking with the high priest. C'est là où Jésus n'a pas pu arriver. Where Jesus was not able to get to. Lazare, lui, il est entré. Lazarus has entered. Voilà pourquoi Jésus dit. So that's why Jesus said. Vous ferez des œuvres plus grandes. You will do works that are greater. Mais ça passe par quoi? But what does it go through? Ça passe par nos témoignages. It goes through our testimonies first. Alléluia. Amen. Ça passe par notre vie. It goes through our lives. Voilà pourquoi tout ce que vous traversez. This is why everything that you go through. Vous ne devez jamais. You should never. Oublier. Forget. Que Dieu cherche that un moyen. God is seeking for a mean. De glorifier son nom. To glorify his name. Donc souvent. So often. Vous direz la situation. You will say to the situation. C'est pour la gloire de Dieu. It is for the glory of God. C'était mon message. That was my message. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était pour la gloire de Dieu. It was for the glory of God. Savez, you know, I preached that message. I preached that message. Because spiritually I saw. Because spiritually I saw. I saw que beaucoup parmi vous that a lot among you sont arrivés à un carrefour have reached a crossroad avec Dieu. With God. Ils ne savent pas they don't know s'ils doivent continuer if they should arrêter. Continue or stop. Est-ce que je parle? Am I speaking? Spirituellement. Spiritually. Hier nuit, yesterday night, j'ai eu un fight. J'ai eu un combat. I had a battle, a fight. Vers 4 du matin. Around 4 a.m. Je ne comprenais pas. I could not understand anymore. Et le Seigneur est en train de me dire. And the Lord was telling me. Il m'a d'abord parlé à moi. First. Il m'a. He told me. Il m'a parlé d'abord. He spoke to me first. Et après, il a parlé des gens de cette église. And then he spoke to me about the people in this church. Il dit. And he told me. Beaucoup parmi eux many among you ne savent plus où regarder. No longer know where to look at. Parce que si c'est pour jeûner, because if it's about fasting, ils ont jeûné. They have fasted. Si c'est pour prier, if it's about prayer, ils ont prié. They have prayed. Ils ne savent plus quoi faire. They no longer know what to do. Va leur dire. Go and tell them, c'est pour ma gloire. It is for my glory. Alléluia. Amen. Donc, I can prophesize now. Donc je peux prophétiser maintenant. Yes. Oui. Mais je veux qu'en sortant d'ici. But I want you when you step out of this place. Mon ministère ne vienne pas étouffer le message de Dieu. I don't want my ministry to come and choke the word of God. Vous savez, you know, il faut être un homme de Dieu soumis. You need to be a man of God that obeys God. Pour ne pas chercher la gloire de Dieu. In order not to get in trouble with God. I can show you that I'm a man of God. Je peux vous montrer que je suis un homme de Dieu. Mais ça va pas vous aider. But it's not going to help you. Aujourd'hui. Today. Dis à quelqu'un. Tell somebody. Je porte la gloire. I'm carrying the glory of God. Oh, you don't.
You don't say it well. Tu ne le dis pas bien. Just say it like you mean it. I'm carrying the glory of God. I'm carrying the glory of God. Tu veux voir un survivant? You want to see a survivor? Écoutez-moi bien. Listen to me well. On veut plus venir à l'église. We don't just want to come to et church. Puis écouter des paroles et des paroles. And listen to words and words. On veut marcher avec des gens. We want to walk with people qui pourront te dire who can tell you ce que tu as vécu, what you went ce through, que tu vis, what you're going through. J'ai déjà traversé. I've already been through that. Voilà pourquoi Dieu and that is why God n'aime pas des images he doesn't like just pictures in our church. Pourquoi? Why? Parce que l'image de Dieu because the image of God ne peut pas être limitée. It cannot be limited. Ça veut dire ton Dieu means that your God et mon Dieu and my God forme Dieu. They make God. Amen. Là où toi tu ne vois pas ton Dieu. Where you don't see your God, moi je vois mon Dieu. I see my God. Donc ne m'impose pas l'image de ton so Dieu. Do not impose me the image of your God. No. No. We don't have the same God. On n'a pas le même Dieu. Parce que tu ne le vois pas où là moi je le vois. Because you don't see him where I see him. Donc si toi tu as ton Dieu. So if you have your God, je viens aussi avec le témoignage de mon I'm Dieu. I'm coming with the testimony of my God. Ça nous donne un Dieu qui est puissant. Now we have a mighty God. Juste pour dire quoi? Just to say what? S'il a fait dans ta vie. If he did it in your life, il peut le faire he aussi. Can also do it in mine. Et c'était ça. Le problème de Moïse, hein? That was the problem of là, Moses. Là, je suis en prophétisé de façon très générale. Yeah, I'm prophesying. Lorsque Moïse dit à Dieu, when Moses told God, Dieu rencontre Moïse. Moses meets God. Il fait le buisson Adam. And the burning bush. Moïse ne croit toujours pas. Moses still don't believe. Jean vous dit à Dieu. And he was telling God. Ils ne vont pas croire. Oh, they are not going to believe. Dieu lui parle, Dieu fait des signes. And God is showing him signs. Il dit, je suis le Dieu. He said, I am the God d'Abraham, the God of Abraham, Isaac, the God of Isaac, et de Jacob, and the God of Jacob. Mais rappelez-vous, but remember, des années en arrière, years back, il avait dit à Jacob, he told Jacob, on ne va plus t'appeler Jacob. You will no longer be called Jacob by Jacob. On va t'appeler Israël. You'll be called by Israel. Maintenant, pourquoi Dieu, quand il veut se révéler, now, why is that like, when God is trying to reveal himself, il va prendre Jacob. He's using the name Jacob. On aurait dû dire, we could have said, je suis le Dieu d'Abraham, I am the God of Abraham, d'Isaac, I'm the God of Isaac, et d'Israël, and the God of Israel. Mais il dit non. But he says no. Je suis le Dieu aussi de Jacob. I am also the God of Jacob. Quand tu penses à Abraham, when you think about Abraham, tu peux dire c'est normal que Dieu devienne son Dieu. This is normal that God becomes his God. Parce qu'il a marché dans la foi. Because he walked in faith. Si tu prends Isaac, and if you take Isaac, c'est le fils d'Abraham, c'est normal. He is the son of Abraham, so that's normal. Mais Jacob. But Jacob, il dit à Moïse. He told Moses, je suis le Dieu de ceux qui font. I am the God of those that also make mistakes. Je suis le Dieu. I am the God de ceux aussi qui font des of erreurs. Those that make mistakes. Voilà pourquoi. That is why. Qu'est-ce que tu as dans ta main? What do you have in your hand? Un bâton. A rod. Jette-le. Just cast it out. De vous dire quelque chose? Let me tell you something. Oh God. Je suis en train de prophétiser maintenant. I am prophesying right now. Il dit, and he said, jette-le. Just cast it out. Dieu and God va toujours utiliser, he will always use ce que tu as dans ta what main. You're holding in your hand. Maintenant, ce que tu as dans ta main, c'est quoi? Now, what are you holding in your hands? C'est les années. It's years. Ce que tu vis derrière le troupeau dans le désert. All that you have lived behind the flock in the desert. Ce n'est pas useless. It's not useless. Je veux vous parler. No, I just want to talk toutes to you. Toutes vos souffrances. All the suffering. Quand il a fait 40 ans derrière when les animaux. When he spent 40 years behind the flock. C'est là qu'il a eu le bâton. That's where he got the rod. Dieu n'a pas utilisé le spectre. And God did not use the scepter. Qu'il a pris quand il a quitté l'Égypte. That he used when he left Egypt. No. No. Dieu a utilisé. God used son bâton. Amen.
his rod. Now let me tell you. When Moses leaves the wilderness, the Bible says il a pris sa femme, he took his wife, ses enfants, his children, et le bâton, and the rod de Dieu. Of God. Ça veut dire que le bâton de Moïse, so that means that Moses' rod est devenu le bâton de Dieu. Became the rod of God. Amen. C'est les années, so the years où tu te dis, where you were wondering, que je suis en train de perdre mon temps. Oh, I'm wasting my time. C'est ces années-là, those years, qui deviennent le bâton, will become like the rod. Amen. Que Dieu utilise, that God is going to use. Amen. Voilà pourquoi je veux prophétiser ce matin. That's why I'm going to prophesy simply. You don't wasting your time. Tu ne perds pas ton temps. Tu es dans le bon. Tu es dans le bon.